acclamations. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et les saintes écritures seront lues dans Isaïe 61, verset 1 à 3. Will be read in Isaiah 61, verse 1 to 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who were bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Amen. Amen. Nous allons revenir sur le phénomène de l'envoûtement. We'll come back on the phenomenon of bewitchment. Mais avant cela, but before it, tu vas présenter tes besoins à Dieu. You will show your needs to God. Il faut que les 10 choses que tu as demandées, it takes that the 10 things that you requested, viennent à l'existence. Come to life. Tu restes assis. You remain sitting. Et tu parles à Dieu. And you speak to God. Il t'entend. Tu lui parle à ton père. Speak to your father. He can hear you. Nous pouvons être des milliers. We can be thousands. Et chacun s'approche de Dieu. And everyone get close to the Lord. La différence sera dans la manière de chacun de s'approcher de lui. The difference will be in the way of each to get close to God. Il veut que tu sois sûr que le Père t'écoute et qu'il va t'exaucer. To be sure that the Father is listening to you and he will answer to your prayers. Dieu aime ses enfants. God loves his children. Il ne faut même pas tenter de présenter Dieu aux hommes de manière à ce qu'ils croient qu'il est dur, qu'il est méchant. Don't even try to show God to human beings in a way that they believe that he is hard and wicked. Même si les hommes sont mauvais. Even if human beings are bad. Même quand les gens choisissent d'aller dans l'enfer. Even when people choose themselves to go to hell. Dieu reste Dieu bon, clément, compatissant, miséricordieux. God remains God, good, compassionate, merciful. Juste. And righteous. Vrai. And true. C'est pour cette raison que dans le livre de Job, il dit, mais si tu es juste cela, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? This is why it's written in the book of Job. If you are righteous, what does God win inside? If you are righteous, it's for yourself. Si tu as adultère, if you stop adultery,
Tu ajoutes combien d'années à Dieu? How many years do you add to God? Zéro. Zero. Tu abandonnes le péché pour vivre. You stop sins to live. Dieu est Dieu. God is God. La parole dit. The word says. Quand il y avait le déluge sur la terre, Dieu était assis sur son trône. When there was the deluge on earth, God was sitting on his throne. Quand l'eau était partout. When there was water everywhere. Et que toutes les montagnes étaient sous les eaux. And all the mountain was under waters. Dieu était assis sur son trône. God was sitting on his throne. Et il régnait. And he reigned. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Moïse a Moses vu, n'a pas vu la terre promise. Pourquoi? Did not see the promised land. Why? Il l'a fait croire aux hommes. He made people understand que il était difficile de leur donner de l'eau. That it was hard à travers le rocher qui les suivait. For them through the rock. Dieu lui a dit, parle au rocher. God told him, speak to the rock. Il a dit, rebelle. He said, parviendrions-nous à vous donner l'eau de ce rocher? Will us be able to give you water from this rock? Dieu a dit, tu ne m'as pas sanctifié. God told him, you did not sanctify me. Tu ne verras pas la terre promise. You won't see the promised land. Il y a des gens qui rendent témoignage. There are people who give testimonies. Le démon était coriace. The demon was strong. Satan est dur d'air. Satan is. Dieu dit, regarde celui-là. God said, look at this one. Regarde celui-là. Look at this one. Satan est petit. Satan is small. L'apôtre Jean dit. Apostle John says. Celui qui est en nous. The one who is in us. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Is greater than the one who is in the world. Il faut présenter Dieu aux gens. Grand. You must show God to people as great. Et tu rends Satan petit. And you make Satan Dieu aime small. Ça. Dieu God aime loves ça. That. Dieu aime ça. Celui qui est en nous. The one who is in us. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Is greater than the one who is in the world. Celui qui est en nous. The one who is in us. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Is greater than the one who is in the world. Dis celui qui est en moi. Say, the one who is in me est plus grand que celui qui est dans le monde. Is greater than the one who is in the world. Parle à ton père. Speak to your father. Dis-lui qu'est-ce que tu as comme problème. Tell him what you have as problems. N'aie pas peur. Do not fear. Ton problème là. Your problem. Il est petit. Mon problème est petit. Ton problème est petit. Notre père est grand. Il est riche. Our father is great and rich. Tu as mal au cœur. C'est lui qui a créé le cœur. You have heart. He is the one who created. Tu as mal au poumon. C'est lui qui a créé les poumons. You have lungs. He is the one who created them. Tu as mal au pied. C'est lui qui a créé le pied. You have leg. You have hairs in your leg. He is the one who created them. Tu as mal la tête, c'est lui qui a créé la tête. You have headaches. He is the one who created the head. Tu as les ennemis. You have enemies. C'est lui qui a créé l'ennemi. He is the one who created your enemies. Il dit. He says. J'ai créé l'ouvrier. I created the worker. Qui soufflait le charbon. Who blow the charcoal. Pour fabriquer une arme par son travail. To make an arm for his war. J'ai aussi créé le destructeur pour la briser. I too created the destructor tout to break it. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Any arm made against you will be with no effect. Parle-lui. Talk to him. Parle-lui. Talk to him. Et crois. And believe. Parle et crois. Speak and believe. Ou alors, parlons et croyons. Or let us speak to God and believe in him. Et ne tremble pas. And do not tremble.
si tu traites un sujet délicat et tu ne veux pas que les voisins entendent, lève-toi, tu pries ici librement. If you have a special topic and you don't want your neighbors to hear, on n'a pas acheté, you can stand up. Dieu ne nous a pas donné ça pour rien. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont entendre le mot là, ils vont te regarder. Because there are people, when we will hear some words, we will look at you. Et toi-même, tu peux être distrait. Au lieu d'être concentré, tu as peur des voisins, tu restes calme et tu commences à remuer les lèvres sans conviction. And you can be distracted by your neighbors instead of being concentrated. Continuons dans la prière. Keep on praying. Commence à dire merci au Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Avec des cris de joie. The shouts of joy. Qui a déjà reçu l'une des choses qu'il a demandé? Who have already received one of the things that he asked God? Oui, viens rendre témoignage. Yes, come and give your testimony. Gloire à Dieu. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur. Je suis le frère Kwaku Siméon. Mon faisant de disciple, c'est le pasteur de Gonzague Germain. Dès les premiers jours, le pasteur avait demandé qu'on énumère les 10 sujets. Et l'un de mes sujets, parce que j'étais en master 2 de communication et j'avais demandé au Seigneur d'amener à l'existence la soutenance et qu'il me bénisse avec le succès. Alléluia! Et par la grâce du Seigneur, le lundi passé, le 11, j'ai pu soutenir et le Seigneur m'a béni avec la mention bien, 15 sur 20. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui a exaucé ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen! Je suis la sœur Charlène Brito. Mon faisant des disciples, c'est l'ancien Isidore. Je veux rendre gloire à Dieu qui m'a exaucé parce que j'ai crié à Dieu qui sauve mon fils cadet avec mon aîné. Et Dieu m'a exaucé pour le cadet. Quand on venait, je l'ai volé pour venir à la rencontre parce qu'il ne voulait pas, je l'ai blagué. Et quand on est arrivé, la dernière fois, le leader a lancé l'annonce qu'il veut accepter Jésus. J'étais un peu en retard. Je suis venue, je le cherchais, je ne le voyais pas. Et je regarde dans la foule, il s'est levé volontairement, il est venu donner la vie à Jésus. Amen. Jésus-Christ, acclamation. Suivant. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Hier et aujourd'hui, il est en train d'apprendre à mon disciple comment on renverse les idoles. Il est en train de renverser les idoles avec un lui montrer. Non, ne dis pas ce qu'il fait. Tu dis seulement, j'ai demandé telle chose, Dieu m'a donné. Amen. Pas d'explication. Je suis la sœur Zombo Christelle Barbara. Et mon fils d'ici, c'est le pasteur Michel. Je veux rendre grâce à Dieu qui a exaucé mon premier sujet de prière, parmi les 10 sujets de prière. Par la grâce de Dieu, moi j'avais déjà établi mes 10 sujets de prière avant le renversement des principes que Dieu m'avait mis à cœur. Donc j'ai demandé dans mon premier sujet que Dieu sauve les membres de ma famille. Et le premier jour, Dieu a sauvé mon grand frère. Amen. Gloire à Dieu. Ici le frère Casimir Horry. Mon faisant de disciple, c'est le pasteur Meunier. J'ai parmi mes 10 sujets demandé au Seigneur qu'il accorde le BPC à mon fils Marc Emmanuel. Et les résultats sont sortis, il a été admis. Je rends gloire à Dieu. Amen. Moi, c'est le frère Drouk Lavet, frère de disciple, pasteur Lombé Innocent. Et quand il était déflatté, mes 10 sujets, j'étais parti en justice et puis on poursuivait l'affaire parce qu'on était déflatté. Et ça faisait près de 6 ans. Et Dieu a accepté que l'argent puisse venir. Et j'ai eu 860 000. Amen. Non, est-ce que tu avais demandé ça à Dieu?
Oui. C'est dans les 10 sujets. Les 10 sujets, oui. Les 10 sujets. Je poursuivais ça pendant les 6 années, là. Et puis c'est venu. Oui, suivant. Je suis la sœur Kaboré Sawada Tourut. Et je faisais des disciples le pasteur André Laurent. Parmi mes 10 sujets, j'avais demandé au Seigneur de régulariser mon cycle menstruel. Et ce mois-ci, le Seigneur l'a fait. Que son nom soit béni. Acclamation. Je suis la sœur Boka Cynthia. Parmi mes 10 sujets, j'avais demandé que le Seigneur sauve mon neveu, Boti Jean. Et le Seigneur a permis qu'il fasse la vraie repentance. Et son baptême sera fait demain. Je veux dire merci au Seigneur Jésus pour cela. Christ. Amen. Je suis le frère Odier Emmanuel. Je veux dire merci au Seigneur. Dans ma liste de sujets, j'ai demandé à ce que Dieu me bénisse avec de nouveaux disciples. Et hier, le Seigneur m'a béni avec un nouveau disciple. Et je veux lui dire merci. Amen. Je vais dire merci à Dieu. Il y avait le fardeau de prier pour ma famille, pour qu'il y ait l'amour, union dans ma famille. Et quand je suis venu à Tchoukwa, c'était mon sujet de prière. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a exaucé. Maintenant, il y a la communication et puis la joie dans ma famille. Il m'a dit merci à Dieu pour cela. Amen. Amen. Je suis la sœur Koutou Zénab et Koutou Emmanuela, disciple de l'ancien Germain de Gonzague. Et parmi les 10 sujets, j'ai demandé au Seigneur d'accorder le BPC. Il y a 6 de mes frères qui ont présenté le BPC. Et le Seigneur les a tous accordé le BPC. Que l'honneur lui soit arrivé. Amen. Il faut importuner Dieu. You must annoy God. Importuner n'est pas l'incrédulité. To annoy God is not to be unbelieving. Tu peux dire à Dieu, you can tell God, je sais que tu m'as déjà exaucé. I know that you already answered my prayer. Mais je veux que tu me donnes ce que je t'ai demandé. But I want you to give me what I asked you. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Jesus said, I know you always answer to my prayers. J'ai prié pour que ceux-ci sachent que c'est toi qui m'as envoyé. I prayed so that those ones understand that you are the one who sent me. Parce qu'il y a des gens qui ne savent plus prier quand ils ont déjà prié une fois. Because there are people who don't know how to pray again when they have already prayed. Ils se disent, mais Jésus dit de croire qu'on a déjà reçu. They test themselves, but Jesus has already said that we must believe when we ask. Il y a des mots pour prier. There are words to pray. Quelqu'un dit. Someone said. Dieu donne les mots pour prier comme il donne les mots pour prêcher. God gives word to pray as he gives word to preach. Dieu inspire les gens. God inspires people. Pour qu'ils formulent les belles phrases. So that they create right sentences. Et il dit dans Jérémie. And he says in Jeremiah. Je suis attentif et j'écoute. I am careful and I hear. I'm listening. Après il dit. And later on he says. Ils ne parlent pas comme ils devraient parler. They are not speaking as they should do. Donc après t'avoir écouté. So after having listened to you, Dieu s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? God tells himself, what is he saying? Il y a une manière de parler avec l'aide du Saint-Esprit. There's a way of speaking with the help of the Holy Spirit. Qui touche Dieu directement. Which touches God directly. Il faut apprendre ça. You must learn it. Il n'y a pas une école dans le monde. There's not a school in the world for it. Chacun doit connaître comment Dieu traite avec lui. Everyone must know how God works with him. Chacun doit avoir des phrases. Et quand Dieu entend ça, must il have descend. His word that as soon as God hears them, he calms down. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?